Hey! Salut à tous les chasseurs et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, dans cette toute nouvelle réaction à chaud. Alors pour ceux qui ne le savent pas, faut savoir que hier est sortie une nouvelle analyse de bande-annonce, du coup l'analyse sur le premier trailer de The Suicide Squad. Cependant, une semaine après, eh bien, faut savoir qu'il y a eu une nouvelle bande-annonce. Et moi qui étais en train de faire le montage de l'analyse de la première bande-annonce, j'étais un petit peu emmerdé. Du coup, c'est pour ça que je voudrais faire cette nouvelle réaction à chaud en ce qui concerne la deuxième bande-annonce de The Suicide Squad. Parce qu'apparemment, il s'avère qu'elle serait mieux que la première bande-annonce. Qui, personnellement, pour ceux qui n'ont pas vu l'analyse, je vous invite d'ailleurs à la regarder si vous ne l'avez pas vue. Mais dans les grandes lignes, je n'ai pas trop kiffé la première bande-annonce. Bien qu'il y avait certains moments qui étaient assez sympathiques, j'ai plus l'impression qu'ils ont misé sur l'humour pour ce trailer-là. Voilà. Après, bon, ça reste du James Gunn, hein, ça reste un petit peu foufou. Mais voilà, j'ai pas été trop emballé par cette bande-annonce. Malgré le making-of que j'ai trouvé vraiment intéressant lors du DC Fandom, franchement, ça j'avais vraiment bien kiffé. Donc là, écoutez, nous allons regarder la deuxième bande-annonce de The Suicide Squad, du coup, qui est sorti une semaine après la première bande-annonce. Alors j'ai vu les premières images, genre j'ai vu 5 secondes, j'ai comme l'impression que ça a l'air d'être un petit peu plus dark que l'a été la première bande-annonce. Du coup, je pense que ça va plus me plaire. Alors, la bande-annonce, elle est en VO, il n'y a pas de VostFR. Du coup, j'ai les sous-titres de YouTube, j'espère que ça va pas être un petit peu bizarre, puis même l'ambiance et tout, je pense qu'il y aura un bon truc. Dans tous les cas, on va se lancer, c'est parti, let's go, regardez, tous ensemble, la deuxième bande-annonce de ce Suicide Squad. Costumes, wanting you to think they're all dark and deep. What's it like? C'est vrai que j'ai l'impression que c'est vraiment plus dark et en même temps très particulier en fait. Be one blessed act of rebellion for you to restore your dignity in its entirety. You know the deal. Complete the mission, you get 10 years off your sentence. You fail to follow my orders in any way, and I detonate the explosive device in the base of your skull. Bon, ça c'est pour tous les membres. Any questions? Hand. Yes, that is your hand. Very good. We're all gonna die. I hope so. Oh, for God's sake. Non, c'est un film de James Gunn. Ça, je connais pas. This is suicide. Well, that's kind of our thing. Ça peut pas, oui. What the? Like a bloodbath to start the day. Call you peacemaker. I cherish peace with all my heart. I don't care how many men, women, and children I need to kill to get it. I thought you were the crazy one. Oh yeah. Yeah, j'ai trouvé. Oh, mais il se passe plein de choses en fait. We failed the mission. You die. If we find out any information you give us is false, you die. If we find out you have personalized license plates, you die. What? No. Bah ça c'est bien. Vraiment, putain, ça a bien changé. Vraiment, comparé à la bande-annonce de la semaine passée, c'est clairement différent. J'ai l'impression en fait voilà que en fait c'est vraiment deux bandes annonces bien distinctes dans lesquelles le premier ils se sont plus basés sur l'humour du film en disant que voilà vous comprenez un peu le délire, voilà c'est bien du James Gunn, je veux dire y a pas que de l'action, c'est pas genre un Justice League ou quoi, c'est vraiment différent. Et là ils ont montré un petit peu plus de scènes d'action, un peu plus de sérieuxité dans l'histoire. Franchement, ça a l'air d'être vachement bien, ça a l'air d'être un peu plus dark, vachement beau aussi, hein, clairement, je me rappelle toujours de la scène avec Harley Quinn et les fleurs qui arrivent derrière, ou alors quand elles sautent et tout. Et j'ai l'impression que vraiment, dans cette bande-annonce-là, ils ont pas vraiment misé sur l'humour. Ils ont mis un petit peu les mêmes vannes que l'on avait dès le premier trailer, mais franchement, c'est une bonne bande-annonce. Vraiment, ça me hype
deux fois plus que la première. Bah clairement. Vraiment, je sais pas, même les personnages, bon, on n'a pas eu énormément de nouveautés en termes des persos, on savait déjà tout dans la première bande-annonce. Mais je veux dire, voilà, je sais pas, il y a certaines petites choses qui sont vachement mieux. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais personnellement... j'ai vraiment kiffé. Et là, ça me donne envie de le découvrir. J'espère que, du coup, le film ne sera pas bondé de gags pas amusants. J'espère qu'ils ont quand même gardé un énorme côté un petit peu noir, vous savez, un petit peu dark, avec un petit peu d'action, de l'aventure, bonne dose d'humour, mais pas trop non plus. En tout cas, là, vraiment, ça m'a grave donné envie, plus que la dernière fois. De toute façon, si tu as pas vu, du coup, l'analyse de la première bande-annonce, bah, je t'invite à regarder sur le petit i ici. Et s'il n'est pas ici, c'est là-bas. Je sais jamais où se trouve celui, d'accord? Et du coup, vous, qu'en avez-vous pensé de cette bande-annonce? À vous de jouer dans les commentaires. Voilà, et bien écoutez, un énorme merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Si tu as aimé, n'hésite surtout pas à mettre un petit like de soutien, ça me fera extrêmement plaisir, et à t'abonner, voilà, ça ne peut que aider la chaîne, le fait de s'abonner et d'aimer les vidéos. Si tu as envie de me découvrir en live, n'hésite surtout pas à suivre ma chaîne Twitch qui se trouve dans la description, pas ici non, dans la description. Dans tous les cas, moi je vous dis à la prochaine les chasseurs pour une nouvelle chasse, allez! Salut à tous les chasseurs! Wouhou!